Saint-Jacques, t'es vraiment pas sympa avec les pèlerins, hein, parce que toute la journée, on a passé notre temps à sortir les parapluies et les capes de pluie, ranger les parapluies et les capes de pluie, ressortir les parapluies et les capes de pluie, sans compter les pantalons de pluie dans lesquels on transpire si y a une éclaircie. Bref, je suis à moins de 5 km de l'arrivée, 4 km 800, quelque chose comme ça, et il y a une nouvelle averse, c'est la énième de la journée. Bon bah je me mets plus ou moins à l'abri des arbres et puis j'attends que ça se passe. Hein. Il me reste juste quelques dizaines de mètres à parcourir et je vais arriver au point final de cette aventure devant la fameuse cathédrale de Compostelle. Je ne sais pas si elle se niche sur la place qui est juste à l'angle de cette rue, parce que je ne me rappelle pas par où on arrive. Et voilà, on arrive donc à ce côté-là. L'arrivée est toujours aussi impressionnante. La cathédrale est sous le soleil, donc c'est fabuleux. Je vais essayer de passer devant la caméra, ce qui va être un exercice beaucoup plus périlleux que de marcher sur le chemin. Voilà, je suis arrivée, vraiment très très heureuse de cette nouvelle aventure. Okay.
pareil. Et voilà, cette fois j'y suis. Kilomètres 93 cette fois-ci, avec une arrivée en beauté entourée des Templiers de Ponferrada.